Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le vlog numéro 1. Donc aujourd'hui des petites statistiques, voilà, sur la chaîne et l'avenir de la chaîne, mais une très bonne nouvelle dont je reparlerai après les statistiques, c'est au niveau de cet aquarium, je suis très content. Donc pour le moment nous avons 518 vues, avec pour une durée de visionnage de 1397 minutes. Ensuite, nous avons 21 abonnés, et voilà pour les petites statistiques générales. Voilà. Donc, pour la bonne nouvelle, eh bien, mes corridoras, je vous reprends d'ailleurs la vidéo au vlog numéro 1, j'espère qu'ils aient pondu après la mise en place des plantes. Eh bien, figurez-vous, c'est ce qu'ils ont fait, puisque sur l'Echinodorus ozelo, que vous voyez sur les côtés, et ici, donc le Corydoras avec les petites taches, j'ai eu donc plusieurs œufs de Corydoras, pas énormément, mais il faut une bonne taille. Alors pourquoi sur les plantes? Certains vont me dire que le Corydoras pond sur la vitre. Et bien non, c'est une spécificité du Corydoras panda, c'est qu'il ne pond uniquement sur les feuilles, il ne pond pas sur les vitres. Voilà, alors que le Corydoras aneus, Corydoras classique, hein, pont, lui, faut qu'on dise sur les vitres ou sur les cônes en céramique. Hein, ça, c'est. Je peux. J'ai aussi eu quelques œufs à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des petits échinodorus dont je ne me rappelle plus le nom. Je mettrai un lien dans la description. Excusez-moi. Donc, je vais tout de suite vous montrer donc les œufs Corydoras, pardon, qui se trouvent donc sur ces feuilles-là. Donc des œufs d'une belle taille, hein. Voilà. Alors vous pouvez les voir donc à ce niveau-là. Pardon, pas près, c'est tout à côté. Donc c'est des œufs d'une couleur un petit peu orange. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra, parce que c'est un petit problème. Donc voilà, donc ce sont des œufs de plutôt belle taille. Bon, je suis vraiment désolé si ça rend pas bien à la caméra. En tout cas, si on peut prendre une photo et vous la mettre sur la vidéo, c'est ce qu'on fera. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc pour un prochain tuto. Voilà. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher vos commentaires et surtout à liker cette vidéo. Allez, ciao!